Indonésie, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes bel et bien en Indonésie. Ah oui. Voilà un pays auquel on a obtenu l'indépendance presque les mêmes moments. Regardez, ils sont toujours en chantier. Quand on vous dit que le développement du Cameroun, c'est contre la volonté de Biya. Voilà. C'est contre la volonté de Biya. Voilà. Aïdjo a son temps à faire mieux. Mais Paul Biya est venu. Pap! Détruit! Détruit! Lui, c'est détruit. Non, non, c'est détruit, mon frère. Au profit des autres. Voilà, c'est ça. Quand on vous voit, on dit que le Camerounais est Bahad, là. Le premier Bahad man du Cameroun, c'est Popol. Ah, oui, oui. C'est quelqu'un qui, après sa mort, on doit se battre encore. Pour qu'on en... C'est-à-dire qu'on doit enchaîner sa tombe. Ah, oui, pour le mal qu'il a fait au Camerounais. Voilà un pays. C'est-à-dire que Popol nous a renvoyé à 200 ans en arrière. Année-lumière, Pombia. Pombia nous a éloigné. C'est-à-dire qu'il nous a ramené derrière à plus de 200 ans dans les lumières. Nous sommes dans l'obscurité. Mais oui, regardez un pays en chantier. En chantier, voilà. On est en train d'enlever le moule. Tous les jours. Là où il y a l'embouteillage, on lance les highways. Ah oui, les flyovers. Voilà. On ne veut pas l'embouteillage. Non, 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 non. Oui. Et on se rassure que ça ne nuit à personne. Non, non, non. On se rassure. On se rassure. Ça ne nuit à personne. Ça ne... Non, non, non. Mais chez nous là-bas, on doit nuire aux gens. Voilà. C'est-à-dire que quand on te dit qu'il y a un projet, ça veut dire qu'il y a détournement d'argent. Au Cameroun, projet veut dire détournement d'argent. On va détourner l'argent de ça. C'est un pays en chantier depuis les années. Un pays qui est en chantier depuis les années, regardez. Un pays en chantier. Ah oui. Le pays est en chantier. Tolérance zéro. Les gars disent on est en arrière pendant ce temps chez nous. Hey, j'adore le Cameroun. Un pays sans eau. J'adore le Cameroun. Ton pays ne t'offre pas la lumière. Il n'y a que le délestage. Mais tu aimes. Avec toi-même, tu es coupable de la souffrance dans laquelle tu te trouves. C'est clair. Tu aimes le Cameroun. Tu aimes le Cameroun. Non, on ne critique pas son pays. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Un père qui ne rationne pas sera critiqué même par son petit-fils. Un père irresponsable finira par être critiqué parce que tu perds ta valeur. C'est clair. Quand c'est trop, c'est laid. Regardez. Hein? Quand c'est trop, c'est laid. On ne te critique pas pourquoi? Toi, tu es qui pour ne qu'on ne te critique pas? Hein? Tu es qui? Ok? Tu es qui? Oh, on ne critique pas un homme âgé. Mon frère, un homme âgé a sa famille. Dès lors que tu occupes les postes de responsabilité, ok? Tu as le droit et devoir au résultat. Sinon, on va te critiquer. Parce que c'est pas l'argent de ta famille que tu gères. C'est pas l'argent de ton père ni de ta mère que tu gères. Tu gères l'argent du contribuable, de la masse. Quand tu gères l'argent de la communauté, on s'en fout de ton âge. Voilà, attends-toi à toute forme de critique. Si tu fais mal, si tu gères mal. Voilà, attends-toi même aux insultes, même aux injures. Parce que mal dirigé, mal géré, c'est plus qu'une insulte, c'est du vol. On ne fait pas cadeau à un voleur. Ah, tu comprends? On ne fait pas cadeau à un voleur. Voilà, parce que la malgouvernance, la mauvaise gestion tue les gens. Voilà, ah, tu ne peux pas détourner l'argent qui est octroyé à tout un peuple. Pour leurs profits, toi tu détournes ça pour toi seul. Voilà, ceux qui t'insultent, t'aiment même. Voilà, dans notre pays, on te met au poteau. Voilà, on te met au poteau, on signe avec toi. Regardez, voilà un pays en chantier. Voilà un pays en chantier. Depuis plus de 60 ans. Depuis 60 ans. L'Indonésie est en chantier. Ça ne suffit pas. Ils sont en train de travailler. Même chose comme à Singapour. Pays en chantier. Et demain c'est toi qui veux le visa pour aller chez les autres. Mon ami, va construire ton pays. Tu vas te vanter aussi à ton pays. Ok? Et demain tu es surpris qu'on te refuse le visa. On va te donner le visa pourquoi? Ton pays ressemble à quoi? Pourquoi tu te fâches? Oh, ils sont racistes. Oh, ils n'aiment pas les étrangers. Mais on t'aime pourquoi? Va développer ton pays, mon frère. Va développer ton pays. Voilà.
C'est le jour que tu vas te développer, que tu vas comprendre pourquoi tu peux donner l'accès d'entrée à tout le monde. Mais comment tu es dans un pays sous-développé et tu veux avoir l'accès chez les autres? Comment? Dis-moi un peu. Comment? Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment? Comment tu es dans un pays sous-développé? Ton pays est un pays pauvre et sous-développé. Tu t'endettes tous les jours pour développer ton pays et tu ne fais rien. Une seule personne prend tout cet argent et empoche. Toi, tu ne dis rien. Ton rêve, dans ta tête, la solution, c'est de croire qu'il faut partir. Oui, tu pars. Et le jour que tu cherches à partir, on te barre la route parce qu'on te refuse le visa. Tu te fâches. Mais attendez, tu dois te fâcher de qui? Mais attendez, tu dois te fâcher contre celui-là qui te laisse dans la misère ou bien celui-là qui t'empêche d'aller chez lui parce qu'il ne peut pas laisser qu'un misérable, qu'un souffreteux aille chez lui. Comment tu laisses la poubelle dans ton pays au lieu de dénoncer? Comment tu laisses la misère dans ton pays alors que celui-là qui est aux affaires, c'est lui qui met tout dans sa poche avec ses amis. Mais comment tu le laisses pour aller te fâcher contre quelqu'un qui t'a refusé le visa d'entrer dans son pays? Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème? C'est à toi de te battre, mon frère. C'est à toi de te battre. Quel est le pays où, quand ils déposent le passeport en Afrique, là, on leur donne le visa? Mais oui, parce qu'on sait que chez eux, là, eux-mêmes, là, eux, ils ont la volonté de développer leur pays. Le Camerounais, ce n'est que dehors qu'ils découvrent tout. Ils découvrent les trains à grande vitesse que dehors. Oui. Tout dernièrement, l'ascenseur, les escaliers roulants, c'était la magie. Nos mamans qui tombaient. Je connais une maman qui a perdu un de ses membres là-bas, inférieur. Je connais une mère qui a perdu un de ses membres inférieurs. Mais oui, mes frères et sœurs. Donc, c'est toi, tu es là, tu cries. Go, oh, vraiment, eux, ils n'aiment pas les étrangers. Nanani. Mais on doit t'aimer, pourquoi? Pourquoi on doit t'aimer? Pourquoi on doit te donner le visa des gens quand ton pays est sous-développé? Comment? Hein? Directement, quand tu as le visa, tu arrives là-bas, photo sur photo. Attends, non, tu te vends dans le pays des gens. Et chez toi, parfois, tu supportes la malgouvernance. Tu supportes celui-là qui est au pouvoir. Non, c'est Dieu qui lui a donné. Et ici, quand ça ne va pas, eux, ils se lèvent. Ils n'attendent pas que Dieu. Dieu ne donne que la vie. La seule chance que tu as, c'est que tu sois vivant. Et que tu as tous tes membres. Que tu n'es pas inapte au travail. À quoi que ce soit. Tu peux travailler. Tu peux réclamer. Tu peux te révolter. Ok? Arrête de montrer que sur ta femme que tu es fort. Arrête de montrer que c'est sur ton mari que tu es forte. Tu peux aussi réclamer le bien-être pour toi-même d'abord. C'est d'abord ça un vrai peuple. Est-ce que l'Indonésien a un problème? L'Indonésien que tu vois sur la moto là, à la Mercedes dehors, à la Mercedes chez lui. Mais oui. L'Indonésien que tu vois dans la Mercedes ici actuellement là, il a sa part de moto, il a son vélo. Oui, il n'a pas de problème, mon frère. Oh ouais. Tu vas le voir là passer là. Il a une grosse voiture dans sa cour. Oui, c'est la mentalité qu'on les a appris. Que la voiture, c'est une nécessité. Voilà, ce n'est pas une vantardise. Ce n'est pas pour se frimer avec. Non, c'est pas. L'Asiatique, c'est comme ça. On l'a appris comme ça là. On l'a appris comme ça. Les peuples développés. Chaque citoyen a un scooter, une moto. Chaque citoyen a un vélo. Mais oui, on les apprend à marcher à pied. C'est ça qu'il s'agit. Mais chez nous là, avoir une Mercedes, c'est un luxe. Oui. Avoir une grosse voiture, c'est un luxe. Non. C'est la fantaisie chez nous. Donc arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Ok? Nous devons arrêter cette mentalité-là. Voilà. Ah oui, Longchi. Voilà, le chantier. C'est-à-dire que les chantiers n'empêchent pas. Un pays en chantier, ça n'empêche pas que les gens circulent. Non, le pays en chantier. C'est-à-dire que le pays, c'est en chantier. Depuis le jour que je suis arrivé, moi voici bientôt, ça va faire 14 ans que je viens en Indonésie, en Asie. Tous ces pays-là, même Singapour. Tu sors de l'aéroport, toujours en chantier. Singapour qui est comme le rêve. C'est comme si on a caricaturé. On a caricaturé Singapour. On a déposé ça comme tu vois sur le papier là. Singapour, c'est la magie. Quiconque arrive à Singapour, quelle que soit ta nationalité, mon frère, tu ouvres ta bouche. Singapour, toujours en chantier. Ils sont en train de ramener la mer. Ils agrandissent le pays. Ils ne disent pas que, oh non, notre pays est petit. On n'a qu'une seule ville qui est Singapour. Eux, ils s'en foutent. Chaque jour, ils négocient. De l'autre côté là-bas.
avec tel pays, avec l'Indonésie. Ils négocient, ils achètent la mer, ils ramblent, ils négocient de l'autre côté de la Thaïlande, ils achètent la mer, ils ramblent, ils négocient partout. Dans tous les pays limitrophes, là, ils négocient. Ils négocient. Ils ne disent pas que notre pays, vraiment, c'est petit. Et ils sont en train de négocier. Vous savez, le temps que j'ai compris, mon frère, si tu veux travailler, ferme ta bouche, avance. Voilà. Laisse les gens parler de ton histoire. Si tu veux travailler, arrête. C'est un peu de temps. Il est difficile de répondre. Ça prend trop le temps de répondre que de travailler. Mais oui, c'est le paresseux qui a le temps pour écouter les autres. Quand tu sais que tu as tes ambitions, mon frère, tu avances. Mais oui, mon frère. Oh, c'est un peu comme une femme qui a les petites ambitions, que son rêve, c'est avoir l'acte de mariage. Voilà à quoi ressemblent ses ambitions. Son ambition, tant. Mon petit frère, elle ne doit que te servir le stress de la frustration. Chaque moment, elle va te stresser parce qu'elle veut prouver aux autres que non, moi aussi, je suis marié. Quand tu as une femme pareille, petit frère, il faut la fuir. Il faut fuir ce genre de femme-là. Que chérie, on va se marier quand? On va se marier quand? Petit frère, laisse tous ces efforts-là, c'est pour te flatter. Voilà. Parce qu'une femme qui est sûre d'elle, mon petit, elle avance. Les enfants que vous faites, ce sont vos enfants. Oh, ce sont vos enfants. Oh, petit frère, oh, le mariage est bien. Ok? Mais qu'on ne te pousse jamais. Est-ce ça? Voilà. Qu'on ne te pousse pas. N'accepte pas une femme de te pousser. Non, non. Qu'elle ne te pousse pas. Voilà. Voilà. Parce que chaque fois, elle te dit la même chose, petit frère. Elle a autre chose. Voilà. Moi, on ne m'a pas demandé que marie-toi. Voilà. Chacun doit faire les choses selon sa volonté. On a mis Berika. Voilà. Voilà, c'est pas la course, ma chérie. Ok? Le seul cadeau que Dieu peut te donner sur la terre, c'est d'avoir les enfants. Voilà. Tant pis pour toi, si tu es enceinte, tu enlèves les grossesses. Tant pis pour les parents qui amènent les enfants, enlever les grossesses. Ça vous regarde. Voilà. Vous accompagnez votre fille à faire le mal, sans connaître que peut-être c'est ça. Pas le seul enfant que Dieu est en train de donner comme ça. Là. Be careful. Be careful. Voilà, faites beaucoup attention, la famille. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, voilà un pays en chantier, voilà l'Indonésie, un pays en chantier. Les gens qui venaient travailler chez nous, les gens qui sont venus apprendre la technique de planter l'huile de palme, hein, la technique de palmier à huile chez nous. Voilà les gens, hein. C'est chez nous qu'ils sont venus se former. Comment planter l'huile de palme, comment extraire le palmier à huile, tout et tout, l'huile de tout l'huile rouge, c'est chez nous qu'ils sont venus se former. Ces gens-ci là, c'est chez nous là, qui sont venus se former dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont les premiers mondiaux d'huile de palme. Regardez vous-même. Un pays en chantier. Tous les jours, on casse, on crée les sous-sols, ça avance. On casse, on casse. On ne dit pas qu'on va casser les gens. Non, 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 non. On ne dit pas qu'on va casser, abandonner, laisser les gens la belle étoile. Non. Hein? Non, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Trop bavardé là, c'est maladie. Eux, ils avancent. L'Asiatique, j'adore le Asiatique, mon frère. Qu'on laisse. Se lève le matin, t'es. Voilà. Mon Cameroun, le contraire des choses. Faut d'abord taper 4 œufs dans le ventre, mélanger spaghetti, mélanger haricots. À l'intérieur, on tape la sardine. Tu vas travailler comment? Non, dis-moi, tu vas travailler comment? Mais tu as quelque chose qui t'empêche d'aller vite. Tu es plein, tu es trop plein. On ne se boue pas le corps pour aller travailler. Désolé. Désolé. L'Asiatique, café, thé. Mais oui. Thé, café. Mais oui, on se plaint. Il fume, il boit. Oui, mais attendez. Mais comment c'est lui qui travaille? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Mais tu t'étouffes. Tu tapes le couscous à midi dans ton ventre. Oh! Putain de merde. Alors que c'est à midi que ta journée commence à commencer. Parce que le corps humain, comme le diesel petit. Hein, Berika? You see, kinder, le diesel. Non, mais c'est not. Non, il faut 12 o'clock, ouais. You body don't make you hot, 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 hot. C'est là où ça veut prendre. Tu as là chauffé le moteur. Maintenant, à midi, tu prends encore les tendres, tu refroidis ton corps. Avec deux gros poissons de 3 000. Bon! Après, tu finis 4. Bobolo avec deux poissons, tu tapes 3 bières, tu te lèves, les joues sont gonflées, tu vas travailler quoi? La paresse entre dans toi. Essaye, vois ça pendant un mois, tu vas voir. Essaye,
Elle dit que même l'obésité va fuir seule. Essaye. Que quand le matin tu te lèves là, tu prends ta petite tasse. Ok? Tu prends ta petite tasse. Voilà. Elle dit que prends la nourriture comme. Elle dit, on mange. Elle dit que on mange parce qu'on a faim. Prends la nourriture dans cette dans ce volet-ci là. Elle dit que tu attends. Tu manges quand tu as faim. Ou bien tu grignotes. Fais ça chaque matin. Tu prends un peu, un petit bout de pain avec voilà, une petite tasse de lait. Voilà, avec du beurre. Essaye ça pendant un mois. Ok? Essaye ça pendant un mois. Tu fais comme ça là. Parfois vers 10 heures là. Voilà. Tu prends un pain un peu chargé là. Tout et tout. Essaye. Et le soir maintenant, tu te prépares. Tu manges vers 19h, vers 20h. Ok? Tu vas voir. Comment tu vas voir que la nourriture, c'est juste pour mettre quelque chose dans le ventre. Mais il y a des gens que la nourriture pour eux, c'est programmé dans la tête. Automatiquement. C'est normal que tu sois obèse. On soit obèse comme on est obèse là, chez nous. Mais l'asiatique, tu vas voir tout un patron. Non. Il grignote. Il grignote. Il prend son thé. Là, comme les Chinois qui sont là-bas, en Dokoti là-bas. J'ai vu quand j'avais eu une panne avec ma voiture. Je suis parti là-bas, tu vois. Les gars, à midi, les gars, on les noue aussi là. Hein, les spaghettis là. Le gars avale avec le wap. Il a avalé. Les trucs légers là. Les trucs très simples. Mais oui, tu peux prendre un morceau de coquille. Avec un macabo. Fais ça. Tu vas voir comment tu auras une belle corpulence dans ta vie. Non, oui, c'est vrai. Tu auras une belle corpulence. Et tu vas bien réfléchir. Parce que plus tu étouffes ton corps, plus tu tues tes réflexions en fait. Tu tues tes réflexions. Tu étouffes ton corps. À midi, tu tapes une grosse boule de coquille comme ça là. Quelle culture, mon frère? Quelle culture? Non, nous devons nous revoir. Quelle culture? Regarde ton grand-père à l'époque au village. C'est toi qui pratique peu d'exercices physiques. C'est toi qui manges beaucoup. Tu t'attends à quoi? Tu pratiques peu d'exercices physiques. Tu manges beaucoup. Mais attendez, tu ne vas pas t'en sortir. C'est normal que à la fleur de l'âge que tu es mort. Mais oui. À la fleur de l'âge, tu es mort. C'est clair. À un certain âge, tu dois veiller sur ta santé. Sur ton alimentation. Ce qu'il faut manger. Ce qu'il ne faut pas. Mais c'est clair. C'est normal qu'on ait de la peine. Mais oui. Même moi-même, si là, qui parle là, nous sommes tous même. C'est normal. Voilà, c'est normal. Vous allez voir les Asiatiques. Oui, ils font le sport, mais pas exagérément comme on pense. Pas exagérément. Voilà. Vous allez voir un Asiatique, il s'accroche sur quelque chose que tu ne peux même pas toi-même t'accrocher. Lui, il s'accroche là-bas. Il s'accroche. Voilà. On ne dit pas qu'il n'y a pas les Asiatiques obèses. Hein. Mais quand tu vois un gars ici, on te dit qu'il est directeur. Non, 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 ça ne te ment pas. Ça ne te manque pas sa morphologie, sa corpulence. Voilà. Donc lui-même d'abord, il est un exemple de travail. Voilà, c'est clair. Il est d'abord lui-même un modèle pour le travail. En voyant sa corpulence, tu sens que celui-ci là, non. Non, non, non. Non. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà aussi un autre Africain. Tu ne dors pas mon frère. Il réduit le monde à lui-même. Tu vois un villageois. Il ne voit pas que c'est le jour ici là. Mais tu dois te poser la question et m'encourager. Pour un homme qui ne dort pas, si je parlais du piment, est-ce que tu devais me poser la même question? Comme ce n'est pas le Congo ça, hein, et tu ne t'écoutes pas, hein, tu me demandes si tu ne dors pas. Je dors, ta mère, c'est toi qui vas me nourrir avec ta famille, hein? Allô man, que tu ne dors pas. Pourquoi je dois dormir? Pourquoi je dois dormir? Pourquoi tu as possible? C'est toi qui me nourris. Hein? On a déjà parlé d'un pays qui est en chantier depuis 60 ans. C'est toi qui, c'est ça qui t'intéresse. Que tu ne dors pas. On a mis ici les là 10 heures. Et moi je me réveille tous les matins, 7 heures. Voilà. Je suis loin pour dormir, petit. On n'a pas compris ça. On est loin. Quand tu te travailles dans ton pays, si c'est le sommeil qui t'inquiète, ne parle pas. Il ne comprend pas l'homme africain. C'est toi qui n'es pas dans ton pays. Mais c'est toi qui fais comme si tu es dans ton pays. Il y a des gens que quand tu vois les mains. Tu sens le pourquoi ils ont échoué. Mais oui. Il y a des gens, quand tu vois les manières de faire, tu sens, tu comprends pourquoi ils ont échoué. C'est quand tu as 6 000 km de ton pays.
Tu as 12 000 km. Tu as 25 000 km de ton pays. Mais tu veux vivre comme si tu étais au Cameroun. C'est la nourriture africaine qui t'intéresse. Vraiment, il n'y a pas un marché ici où on vend le Ndjangsang. Il n'y a pas un restaurant ici où on vend la sauce jaune. Donc ça veut dire que tu as laissé tout ce que tu as toujours eu dans ton pays à des milliers de kilomètres. Et tu dis que tu viens te chercher. Mais attendez, tu as de la peine à oublier, à ignorer pour un temps. Le temps pour toi de bien te remettre. Le temps pour toi de bien t'installer. Avant de choisir ce que tu désires, mon frère. Quand on n'a encore rien, on met ses principes de côté. Quand on n'a encore rien, on met ses goûts de côté. On se cherche. Tu te cherches. Comment tu veux absolument faire comme si tu étais au Cameroun? Jusqu'à tu es exigeant. C'est toi qui n'as rien, c'est toi qui es exigeant. C'est toi qui peux en Ganda. On te donne 10 euros. Non, grand. Vraiment, j'ai envie de manger un plat africain. Comment? Ça ne fait même pas 6 mois que tu es quitté du Cameroun. Mais c'est le plat africain qui t'intéresse. Mais tu es un diable, toi, là. C'est-à-dire que le malheur te frappe, petit, que tu ne réussis jamais, petit salopard, je te maudis. Je te maudis. Toi, je te maudis, ma soeur. Je vais manger la nourriture africaine. Je veux. Regardez-moi celle-là même. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celle-là. Hein? Tu vas voir d'autres. Hein, vraiment, Langa Black, là, je n'ai rien contre les Noirs. Je n'ai rien contre les femmes africaines. Mais je ne les drague pas dehors. Parce que les femmes africaines, je les ai laissées dans mon pays. Voilà, elle a les mêmes problèmes que moi. Voilà, je viens d'arriver, petit. Tu viens d'arriver. Tu ne connais, tu ne maîtrises même pas encore la langue. Tu ne maîtrises même rien encore. Même le pays, même tu ne connais même pas. Même ton quartier où tu habites, tu ne connais pas. Hein? Au lieu de te lever le matin, fais semblant de faire le sport. Découvre le pays où tu es. Même ton quartier, tu ne connais pas. Petit frère, quand je vais quelque part, priorité le matin d'abord. Je cherche d'abord à savoir dans quel pays je me trouve. La ville, je connais, je visite d'abord, je fais ce qu'on appelle le tour du propriétaire. Oui, je suis d'abord connaître mon quartier. Mais c'est clair. Je me bats d'abord, je suis d'abord connaître mon quartier où je me trouve. J'espère que je n'ai pas oublié ma carte, non? C'est chaud sur moi. Mais oui! Je suis d'abord fait le tour du propriétaire. Fais comme si tu habites là. Comment? C'est ça qui va faire, on va te dire que non, tu es un étranger. On va dire que mais l'étranger là, mais mon ami, fais comme quelqu'un qui est là depuis les années. Hein? Faut toujours avoir l'instinct d'un ancien. L'instinct d'un ancien. C'est toi qui es là sans papier, c'est toi. Mais facilement, c'est toi qui tombe aussi amoureux d'une sans papier comme toi. Tu veux quoi? Hein, petit? tu vois? Tu vois? Et toi qui es là, tu es amoureux de quoi, petit? Tu es amoureux d'une femme qui n'a pas de. Qui a des papiers comme toi, non. S'il fallait faire des milliers de kilomètres, 50 kilomètres, 10 000 kilomètres pour être amoureux des problèmes de ta vie, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu ne peux pas évoluer, petit. Alors, tu comprends. Voilà, c'est que tu ne peux pas évoluer. Voilà. C'est que tu ne peux pas évoluer, mon frère. Si tu as fait 12 kilomètres, 6 000 kilomètres pour aller être amoureux de quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi, il fallait rester au Cameroun. Pourquoi avoir laissé ta copine? Pourquoi avoir laissé ta copine? Tu as voyagé parce que tu as dit, chérie, il faut que je me batte, hein, pour sortir de la misère et pour qu'on élève notre enfant. Mais je ne comprends pas comment tu sors et tu peux être amoureux d'une fille qui a les mêmes problèmes que la femme que tu as laissée au Cameroun. Ça ne sert à rien. Avec ta vie, tu aimes les problèmes, tu aimes souffrir. Mais c'est clair. Ça veut dire que tu aimes souffrir. Il y a des gens à qui il ne faut pas répondre à certaines questions. Vous savez, voilà. Il y a beaucoup là qui te connaissent. Ils vont venir parler des conneries qui n'ont pas de sens. Il y a des gens à qui il ne faut pas répondre. S'il vous plaît. Il y a des gens à qui il ne faut plus répondre. Voilà. C'est un perdant. C'est un perdant en fait. Voilà. C'est un perdant.
Parce que le même qui fait certains, qui te pose certaines questions sur Facebook, c'est le même qui a commenté quand il t'a vu dans ton champ de canne. C'est le même qui a commenté quand. C'est le même qui connaît bien ta vie. Peut-être même ton locataire, qui sait. Donc il y a des gens à qui ne peuvent pas répondre certaines questions, mes amis. Il ne faut pas laisser. Ok? Il est dans la distraction en fait. Il ne veut pas qu'on éveille les autres, frère. C'est des sorciers. Ils sont nombreux là, c'est des sorciers. Donc arrêtez d'aller répondre à certaines personnes, s'il vous plaît. On avance. Oui, un peu. Bah, c'est pas lui qui me nourrit. Voilà. Donc nous sommes dans un combat de communication. Il faut qu'on éveille les petits frères. Voilà. Il faut qu'on éveille les petits frères. Quand tu quittes de loin, petit frère, tu dois savoir où tu vas. Voilà. Tu ne dois pas quitter loin de ton pays pour aller entrer dans les mêmes problèmes que tu as laissé au Cameroun, ce que tu n'avanceras jamais. Me voici dans un ATM. Je prends mon argent. Est-ce qu'on travaille ensemble? On ne travaille pas ensemble. C'est sûr. Tout à l'heure, si ta grand-mère malade ou bien ton grand-père, achète les médicaments. Achète les médicaments. C'est ça qui me donne l'argent. Je vis chez tes parents. C'est ton père et ta mère qui me nourrit, petit. C'est ton père et ta mère qui me nourrit. Hein? Tu parles d'un qui roule dans une voiture de plus de 48 millions. Qu'il travaille quoi? J'ai déjà travaillé l'argent, petit. Est-ce que c'est ton ami? Je viens d'un pays depuis 14 ans, ça ne te dit rien. Hein, mon petit? Si tu es malade, tu donnes le. Tu sais pas que la plus grande mafia du monde, c'est les médicaments. Il faut vendre les médicaments aussi. Tu veux là, hein? Tu vends les médicaments. Je vends les médicaments, le café pour lever le pénis. Hein? Voilà, pour bien réfléchir. Je vends les médicaments pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Donc tout à l'heure, là, voilà, tu vois, il faut acheter les médicaments. Si ta mère a la trosse, elle a les courbatures, je t'invite d'acheter les produits. Ça tombe même bien. Voilà. Voilà. Il faut acheter les produits. Il faut acheter des produits. Bien, allô? Salam alaikum. Alors, on bat. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Pour ceux qui souffrent de problèmes de courbature. Donc voilà. Non, Malise, faux coin. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut lui dire, s'il est malade, il achète les produits. Ok? Si tu as la honte, tu vois les produits. Donc je suis venu acheter ça pour un malade. Il est en France. Il a la toux chronique. Kassi, ça m'inta Lima. Lima. Donc voilà un malade qui a besoin de ça, 10. Voilà. Il a besoin de ça, 10. Voilà. Café Bornéo, Dimana. Oh, la pisse. Ah, yeah. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Donc je Obat hémorroïde. Yeah, yeah. Donc pour ceux qui ont besoin les produits pour l'hémorroïde, voilà, il y a les produits pour l'hémorroïde. Contactez-moi seulement.